Bonjour à tous. Je vais vous parler moi du projet de territoire intelligent qui Ville d'Angers et Angers Loire Métropole, puisqu'en fait il est porté par l'agglomération auquel la ville d'Angers participe au travers du marché global de performance qui a été mis en place. Voilà. En tous les cas, ce projet de territoire intelligent, il est le fruit surtout d'une vision, celle du maire président qui, au retour du CES de Las Vegas en 2018, a pris conscience qu'il y avait vraiment une urgence écologique et qu'il y avait surtout une urgence à faire quelque chose sur le territoire. Et qui, avec ce retour, en fait, a embarqué l'ensemble des élus pour y travailler. Et voilà d'où est né, en fait, le projet de territoire intelligent qui, petit à petit, se transforme en ambition territoire intelligent. Le projet territoire intelligent, en fait, s'articule autour d'un marché global de performance qui est au cœur, en fait, de trois sphères qui gravitent autour, qui sont tout ce qui est la relation numérique à l'usager, le développement économique et l'attractivité du territoire et la transition écologique, en fait, qui sont trois sphères qui gravitent ensemble. Ça va se traduire en fait par la mise en place d'un centre de pilotage qui va tourner à 360 degrés puisque en fait il intègre autant de la remontée de données pour avoir une meilleure gestion de l'espace public sur des données très techniques, mais aussi sur des données qui sont beaucoup plus larges et qui intègrent l'usager, la santé, les services et y compris la sécurité prévention. Donc en fait on est vraiment sur l'ensemble des smart objets qui étaient présentés tout à l'heure. Il faut savoir que le territoire angevin en fait a une histoire qui a permis aussi l'implantation de ce territoire intelligent puisque d'un point de vue économique ça a accueilli, bon, il y a quelques années, mais quand même, ça a toujours été des entreprises. Il y a eu Bull, il y a eu IBM, il y a eu Thomson, Technicolor, et puis petit à petit, il y a eu aussi l'École supérieure d'électronique de l'Ouest qui s'est implantée. Donc, il y a cette culture en fait électronique qui est restée et qui continue, notamment après avec la mise en place de la cité de l'objet connecté. Sur le territoire. Et puis, c'est aussi une culture territoriale forte, puisque le premier district, alors là, ça remonte à quelques années, mais s'est créé avec trois communes en 1968. Donc, il y a déjà ce travail, en fait, et cette habitude de travailler ensemble qui est absolument indispensable. Ah bah, pardon, excusez-moi. Et du coup, ce projet, en fait, il est innovant et au service. Merci. Il est innovant et au service, en fait, de l'économie locale, qui bénéficie donc déjà d'un écosystème qui est porteur avec le numérique et tout le partenariat, en fait, qui est mis en place et déjà existant avec les universités et les entreprises. C'est le déploiement aussi de nouvelles formes de commerce et vraiment très récemment, la crise sanitaire, on l'a vu, est venue, en fait, vraiment bouleverser un petit peu les schémas traditionnels. Et là, il y a eu vraiment des choses innovantes qui ont été mises en place, mais à l'initiative des sphères privées, mais soutenues par les collectivités et surtout par l'ensemble du territoire qui aujourd'hui regroupe, je n'ai pas dit, mais 33 communes. Et c'est aussi une mise en dynamique des acteurs locaux autour de ce même projet qui est en train vraiment de prendre corps. Et la rénovation en fait du service public génère à ce niveau un travail de transversalité et puis d'interaction des organisations pour aller excusez-moi. voilà, pour aller vers le territoire,
et pouvoir en fait marquer l'agglomération angevine et lui donner une image et une empreinte de modèle de Smart City à la française. Alors, j'ose pas dire de Smart City à l'angevine, mais en tous les cas, nos élus sont extrêmement attachés au fait que, avant d'être une infrastructure, avant d'être de la remontée de données, c'est avant tout un projet au service du citoyen et auquel il doit être en fait un acteur central. C'est pas juste de la technologie pour faire de la technologie. Néanmoins, cette étape est absolument indispensable parce que pour créer un centre de pilotage, il y a quand même une infrastructure technique à mettre en place préalablement. C'est aussi créer une identité pour renforcer l'attractivité de l'ensemble du territoire. Et puis, c'est entretenir et étendre une dynamique territoriale historique. Et au fur et à mesure, c'est aussi prendre en compte dans tout cet environnement, de prendre en compte l'évolution de notre société et puis des attentes qu'il y a, notamment en termes d'écologie urbaine, d'économiser la ressource et de mettre en place des mobilités beaucoup plus douces. Il y a notamment quelques expériences, on parlait ce matin... d'empreintes carbone. Les communes en fait sur le territoire vont de 600 habitants pratiquement 250 000 pour la plus grande collectivité, et du coup c'est déraisonnable de penser mettre un bus par exemple pour aller sur une commune de 600 habitants, parce que ce bus en fait il va faire des trajets quasiment à vide et son empreinte carbone sera beaucoup plus, enfin vraiment très supérieure au fait de mettre en place par contre, par l'intermédiaire d'une plateforme, un système de taxi qui va être mis au même prix en fait qu'un ticket de bus, mais qui va permettre en fait de diminuer l'empreinte carbone tout en permettant à l'usager d'avoir ce service. C'est aussi des usages, une innovation qui va être au service des usages et des habitants. Et comme je le disais, il faut le projet, il a vraiment vocation à replacer le citoyen au centre de la démarche, hein, et surtout de s'appuyer sur lui pour améliorer son quotidien et que ce soit lui aussi qui propose des services qui soient mieux adaptés, c'est-à-dire des services nouveaux. Qui ne soient pas des services descendants, mais que ce soit plutôt le citoyen qui s'empare en fait de ses besoins réels et qui fasse remonter et qui travaille pour mettre ça en place. Pour ça, dans le projet, en fait, c'est aussi de s'appuyer sur une démarche pour accompagner cette évolution. Mais l'accompagnement, il se fait autant, j'ai envie de dire, à l'externe qu'à l'interne. Hein, c'est-à-dire qu'il faut autant accompagner les usagers à l'utilisation de nouvelles organisations, de nouveaux services, de nouvelles technologies. Mais tout comme à l'interne, hein, le projet managérial, il doit être aussi en phase avec toute cette évolution et tout cet accompagnement. On a beaucoup parlé ce matin de transformation. C'est vraiment quelque chose qui est tout à fait prégnant dans les collectivités et en tout cas dans celle que je représente. Puisqu'il y a un véritable challenge à embarquer en fait l'ensemble des collègues pour apprendre à travailler autrement, en tous les cas faire en sorte que le travail soit rendu plus confortable. Il y a des exemples notamment sur la mise en place d'un arrosage intelligent, donc qui est un système d'arrosage avec des sondes hydriques qui permettent de mesurer les taux d'hygrométrie de la terre et de pas déclencher l'arrosage quand il a plu pendant 3 jours. Et ça, typiquement, aujourd'hui, les paysagistes qui venaient travailler avant et qui étaient équipés d'une clé à molette pour ouvrir des vannes ou les refermer sont aujourd'hui équipés de smartphones pour travailler beaucoup plus la donnée et puis être en capacité de modéliser et faire des choses prédictives, hein, plutôt que d'être dans le réactif. Néanmoins, ce changement, c'est un changement de métier et ça s'accompagne. Hein. C'est pas parce qu'on met un smartphone entre les mains d'un agent que du jour au lendemain, il a cette capacité à l'utiliser et à l'utiliser bien et en tous les cas pour que lui, ça lui rende son travail aussi intéressant, voire plus, et qu'en tous les cas, ça lui apporte un confort. C'est aussi créer des gains de qualité et des gains d'efficacité et d'efficience, hein, pour aussi mieux appréhender et mieux gérer toute la partie d'espace public au quotidien. Et puis c'est aussi faire mettre en place en fait des systèmes qui vont permettre de maîtriser toutes les transitions, qu'elles soient écologiques, économiques, énergétiques, urbaines, de mobilité. Et c'est notamment tout le travail qui va pouvoir être fait sur les îlots de fraîcheur, îlots de chaleur, enfin selon qu'on mette du bitume ou de la végétation, et le travail qu'on peut entamer avec les urbanistes.
C'est aussi, en fait, le territoire intelligent agit sur les organisations et les politiques publiques, notamment en introduisant de l'innovation dans le pilotage des projets. Et on l'a vu ce matin que la gouvernance était aussi quelque chose qui était absolument indispensable, avec une gouvernance partagée à l'échelle du territoire. On ne peut pas faire en fait de travailler en silo, mais il faut quand même qu'il y ait un pilotage qui soit harmonisé, qui soit compris et qui soit partagé par l'ensemble des acteurs. La stratégie en fait alors à l'interne ça doit aussi mobiliser une stratégie managériale mais à tous les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire qu'il faut embarquer tout le monde. C'est à la fois un challenge, mais en même temps c'est des petites réussites tous les jours, parce que on voit qu'en s'y mettant, en organisant les choses et en les portant, eh bien petit à petit, voilà, ça devient en fait quelque chose de presque habituel. Alors on a eu une très mauvaise expérience, on l'a tous vécu différemment, mais en tout cas aucun de nous ne l'a bien vécu. On a appris une cyberattaque le 16 janvier, c'est-à-dire qu'après le Covid, il en manquait encore un petit peu. Il fallait qu'on ajoute quelque chose. Et là, c'est quelque chose de difficile à vivre d'un point de vue managérial, parce qu'on a des équipes, on se retrouve tous dans un état de sidération, puisque pour accentuer les choses, ça arrive un samedi, c'est mieux. Et du coup, alors on a vécu ce qui s'appelle dans le milieu le 2-2-2, c'est deux jours de sidération et de comprendre ce qui se passe, c'est deux semaines pour à minima retrouver les services vitaux numériques, qui se résument en fait à juste une messagerie sur un espace qui est complètement reconstruit, et puis après c'est deux ans pour reconstruire une architecture complète et réapprendre à travailler. Donc là, à aujourd'hui, nous ne sommes encore pas complètement réparés ni reconstruits, on a encore des difficultés. On peut pas par exemple aller sur internet, il faut débrancher un câble du réseau pour se rebrancher, et travailler sur le Wi-Fi public. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des choses. Et là, il faut à ce moment-là se dire l'interdépendance et la dépendance aux outils numériques. Le lundi matin, quand on est arrivé avec la consigne de surtout, mais personne ne rallume son ordinateur, c'était un moment de grande solitude pour, en tout cas moi, manager, je me suis retrouvée à me dire mais comment je vais préparer ça, comment je vais prévoir et anticiper pour les équipes. Et puis ces équipes, en fait, qui voilà, il y a eu le temps de discussion, d'échange, et on s'est dit bon ben maintenant voilà, il y a quelque chose qui continue à exister, le papier, le crayon. Heureusement, ça existe encore. Heureusement, il y avait encore des choses qui étaient écrites, mais il y a des services qui se sont retrouvés complètement paralysés parce que voilà. Et finalement, eh ben de cette mauvaise expérience, on en tire une force, c'est-à-dire que le projet managérial, il inclut aujourd'hui de travailler justement sur tous ces systèmes numériques et sur les SI notamment, et de voir ben qu'il faut avoir des choses qui sont sauvegardées ailleurs peut-être, et en tous les cas que ce qui nous a sauvés, c'est d'avoir des serveurs en local. Et finalement, ben, on était bien heureux de ne pas être partis exporter nos installations ailleurs et de les avoir conservées chez nous. Voilà. Bon, du coup, ça a généré un travail énorme sur la sécurité qu'on est en train de peaufiner dans le cadre de Territoire Intelligent et au-delà, puisque c'est, je dirais que Territoire Intelligent, c'est le prétexte, mais ça permet à la collectivité d'avancer fortement sur le sujet. Voilà, et donc d'organiser ces conditions, c'est extrêmement important, en tous les cas, de les anticiper. Et puis, Territoire Intelligent, c'est aussi un accélérateur et un facilitateur. Alors, c'est à la fois un accélérateur et un facilitateur de la transition énergétique, écologique, et de l'écologie urbaine au sens large. C'est aussi des technologies qui sont mises en place comme socle de base pour permettre en fait d'améliorer et de créer les installations techniques plus performantes. Et là, c'est par exemple le remplacement des éclairages. Alors non pas parce que c'était bien de remplacer les éclairages, simplement c'est que changer de technologie, passer en LED, ça permet non seulement de faire des économies, et à terme ce projet permet d'économiser à peu près 66% d'énergie. Mais c'est aussi
un travail d'approche de tout l'ensemble des populations et notamment des personnes qui sont malvoyantes, malentendantes parfois et des collectivités qui avaient, des communes sur le territoire qui avaient choisi l'extinction totale le soir. Hein, et ben voilà, ces gens-là se retrouvent complètement en perte de repère hein, s'ils se trouvent dans la rue à ce moment-là. Et du coup, c'est de plutôt privilégier de ne pas éteindre en totalité, mais de faire des abaissements qui soient significatifs, puisqu'on peut aller jusqu'à à peu près 50% d'abaissement, tout en maintenant une qualité quasi identique avec les nouvelles technologies. C'est déployer aussi des accès à de nouveaux services hein, tels qu'ils vont être conçus aujourd'hui. Et là, c'est le travail qui va être fait dans le marché global de performance. Il est prévu de mettre en place un lieu emblématique qui s'appelle le forum hein, et qu'en fait est un lieu qui va regrouper quatre espaces. Hein, donc un lieu d'échanges internationaux en lien avec les universités, un lieu qui va être un peu un lieu de démonstration grandeur nature d'une rue connectés. Et puis la fabrique numérique hein, qui là sera un lieu d'idéation avec de l'outillage pour mener à bien des projets et qui sera ouvert en fait non seulement aux entreprises, aux élus, aux collectivités du territoire mais aux citoyens hein. Et puis un café territoire qui lui sera plutôt mobile hein, et permettra d'aller sur l'ensemble des 33 communes. C'est aussi faciliter l'accès à des services et puis notamment on a vu avec la crise sanitaire et le fait de ne plus pouvoir se déplacer dans certains services, et ben c'est d'améliorer en fait, mais surtout de ne pas risquer de générer une fracture numérique et ou, en tout cas augmentée, et de vraiment mettre en place ces lieux de médiation pour que tous les citoyens puissent accéder facilement et en tout cas garantir un meilleur accès à l'ensemble des services et à l'ensemble du territoire. Voilà pour la présentation de Territoire Intelligent. Merci beaucoup pour votre présentation.